Bonjour, on se retrouve dans ce cinquième tutoriel. Alors, au dernier tutoriel, en fait, je vous avais dit qu'on démarrerait la programmation. Seulement, je ne vais pas commencer finalement à faire de la programmation sans vous avoir présenté quand même la base de données. Donc, cette vidéo sera consacrée à ça. Et puis, j'avais oublié aussi quelque chose, c'est de vous montrer les cartes exemples qui sont proposées. On a vu comment mapper, mais vous avez également la possibilité d'importer une map qui est déjà faite dans la bibliothèque du logiciel. Pour ça, il suffit donc de cliquer soit sur le jeu, là où j'ai écrit test tuto, ou sur une des cartes qui est déjà faite. Donc là, moi, ça va être test tuto. Faire un clic droit et charger une carte exemple. Ça ouvre une nouvelle fenêtre où on vous propose des cartes du monde, mais également des villages, des cités, un port, des entrées de cavernes, des labyrinthes, et vous trouvez également des maisons, des tentes, des magasins. On verra d'ailleurs par la suite comment créer son magasin. Donc pour ma part, je vais prendre un village. Donc je vais prendre le village commun. On voit sur la droite que la map s'affiche. Et puis il reste à cliquer sur OK pour charger la carte exemple. Cette carte, on peut la modifier grâce au tileset ou la laisser telle qu'elle. Là, elle est un petit peu grande, donc je vais dézoomer. Hein, voilà, pour qu'on puisse la voir en entier. Donc maintenant, je vais vous présenter la base de données. Hein. Donc pour cela, il faut cliquer ici sur l'icône base de données hein, ou alors passer par le menu outils, base de données, où il y a également la touche F9 en raccourci. Donc, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec différents onglets. Dans l'onglet Héros, on retrouve une liste avec 10 personnages par défaut dans le jeu. Au centre, on retrouve les propriétés avec le nom du personnage, son surnom, si on veut. Une description. Alors dans la description, en fait, c'est le type de personnage que c'est, soldat, moine, paladin. Et en fonction, en fait, de cela, il y aura un équipement différent ou de l'expérience différente. Enfin, son niveau initial, donc niveau 1, le niveau maximum qui peut être atteint. Et puis un petit descriptif du personnage. Son apparence, donc. Son face, donc le visage et l'apparence du personnage qui se déplacera sur la map. Équipement initial, on retrouve en fait donc dans son niveau de début les objets dont il sera équipé, donc armes, boucliers, casque, armure et accessoires. Donc soit on peut mettre quelque chose, soit on peut mettre aucun. Donc là par défaut il y a tout de même, mais on peut les modifier, mais on peut également créer ses propres personnages. Donc là, il y en a 10. Il suffit de cliquer sur définir maximum, de rajouter le nombre de lignes que l'on souhaite en fonction du nombre de personnages que l'on veut mettre. Donc je peux mettre 11. Je clique sur OK pour valider. Je clique sur la ligne 11 et il me reste à mettre donc maintenant son nom, son surnom. Voilà, choisir le type de personnage que ça va être, une petite description si je le souhaite, et aller rechercher son apparence dans la bibliothèque qui est proposée. Donc actor, donc là on retrouve les personnages. Et ici dans Face, pareil, on va retrouver les visages des différents personnages. Il suffit d'en sélectionner un et de cliquer sur OK. Pour valider. Donc dans le deuxième onglet, l'onglet classe, on retrouve les différentes classes des personnages, donc ce qu'on voyait dans la description, soldat, moine, paladin, etc.
Donc ici, dans les propriétés avec le nom, la courbe d'expérience que l'on peut modifier et les courbes de croissance. Donc c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de points de, comment, de vie, alors là c'est les PV, c'est les points de vie, PM ça doit être les points de magie, ce qu'il a en attaque, en défense, ici on voit magie, bah en fait magie, défense magique, agilité et chance, et on peut modifier cette courbe, donc en allant dans les différents menus, mais enfin il faut déjà être assez à l'aise pour créer soi-même ses classes. Et ici, les compétences. Donc, par exemple, le moine, au niveau 5, il aura la compétence tacle. Au niveau 10, la compétence chakra. Au niveau 15, la contre-attaque, etc. Sur la droite, on retrouve les caractéristiques de la classe. On peut également créer une nouvelle classe en cliquant sur définir maximum, rajouter le nombre de lignes qu'on veut et créer sa propre classe. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut déjà être un petit peu plus à l'aise avec le logiciel, avec l'outil pour pouvoir les créer. Moi, je vous conseille dans un premier temps d'utiliser déjà ce qui est proposé. Dans l'onglet compétences, on retrouve la liste des différentes compétences liées aux classes que l'on a vues donc dans l'onglet précédemment. Comme on voyait tout à l'heure dans la classe, donc les compétences qui arrivent en fonction du niveau de son personnage qui va augmenter au fur et à mesure du jeu, on les retrouve donc ici, donc avec dans les propriétés son nom, une icône, la description, les caractéristiques. Sur la droite, les dégâts qui sont infligés à l'ennemi et puis les effets. Pareil, hein, pour créer des compétences, il faut être aussi à l'aise avec le logiciel, avec l'outil pour commencer à créer soi-même ses propres compétences. L'onglet objet. Ici, on retrouve la liste des différents objets que notre héros peut posséder. Au centre, les propriétés des objets. Donc avec le nom, une petite icône de dessin pour le représenter, sa description. Donc par exemple, la grande potion redonne 2500 points de vie. Sur la droite, ici, on retrouve les dégâts éventuels quand il y en a. Et les effets. Donc par exemple, celui-là, attaque magique plus, augmente l'attaque de magie de 3. Donc pour créer un objet, il suffit pareil de définir un maximum. Donc là, il y en a 16 par exemple, je vais mettre 17, je vais cliquer sur OK. Je me place sur la ligne. Je vais ajouter un nom. Donc par exemple, je vais rajouter du pain. Voilà, je vais aller chercher son icône en cliquant ici sur le petit carré bleu. Double-cliquer. Je vais chercher une image qui représente l'objet que je souhaite ajouter. Donc là, en l'occurrence, du pain. Je vais descendre un petit peu pour le trouver. Le voilà. Et je clique sur OK pour valider. Je peux rajouter une description. Par exemple, le pain redonne des points de vie. Donc son prix, ça c'est si en fait on veut acheter cet objet. Consommable, oui, puisqu'on va pouvoir le manger pour se redonner des points de vie. Cible, est-ce que c'est juste pour son personnage ou est-ce que c'est pour tous les alliés si on a plusieurs personnages comme héros? Bon après, selon ce qu'on donne, ça peut être aussi pour les ennemis parce que ça peut être un objet qui attaque l'ennemi. La disponibilité, où est-ce qu'on le récupère? Partout, en combat, depuis le menu. Et puis, ses caractéristiques, ici, qu'on peut modifier. Bon, là, en l'occurrence, c'est du pain qui va redonner de la vie. Donc, il va falloir double-cliquer après sur les effets. Et puis, ici, il y a différents menus, guérison, statut,
Donc vous voyez, on peut infliger quelque chose à l'ennemi. Donc là, dans guérison, récupération, point de vie, on peut indiquer une récupération de points de vie en pourcentage ou en nombre, tout simplement. Donc là, je vais ajouter en pourcentage, moi, 15%. Donc ça peut être des points de magie, hein, ou des points techniques. Et je vais cliquer sur OK pour valider. Et je vais encore cliquer sur Appliquer ici en bas. Donc j'ai rajouté du pain. Dans l'onglet Armes, ici, on trouve la liste des différentes armes. Alors certaines sont imaginaires, d'autres datant du Moyen Âge et quelques-unes à la fin qui sont un petit peu plus récentes comme le fusil ou le Colt. Au centre, on retrouve les propriétés, toujours avec le nom, une image, une description, le type d'arme, le prix, donc pour pouvoir se les procurer, les acheter, le type d'équipement et les caractéristiques d'attaque et de défense. Donc là, par exemple, le Colt donne 84 d'attaque. On retrouve sur la droite les caractéristiques de l'arme, donc une attaque physique avec une précision de moins 5%, etc. Comme pour le reste, il est possible de se créer ses propres armes en cliquant sur définir maximum, de rajouter des lignes et de rajouter les siennes avec le nom, une icône, une description et de mettre ses points d'attaque ou de défense éventuellement. L'onglet armure, donc ici on retrouve les différentes armures qui permettent de protéger le héros lors des attaques des ennemis. Cela peut être des vêtements, des chapeaux, mais également des armures de cuir, de bronze, d'acier, etc. Toujours au centre, les propriétés, sur la droite, les caractéristiques et la possibilité, en cliquant sur Définir maximum, de rajouter ses propres armures. L'onglet Ennemis, ici on retrouve les différents types d'ennemis que l'on peut croiser lors des combats, donc ceux qui sont mis par défaut, donc l'espèce de slime là, je sais pas quoi, chauve-souris, abeille, araignée, on a un fantôme, un squelette, un orque, un lutin. Donc avec sur la droite leur nom, leur point de vie maximum, leur point de magie maximum, leur attaque, leur défense. Les actions qu'ils peuvent faire, donc les compétences qu'ils ont, attaque, glace, succion, là par exemple, avec ici en fait c'est les priorités, donc là dans celui-là par défaut, y en a pas un qui est plus prioritaire que l'autre en fait, ils sont au même niveau, et les caractéristiques de l'attaque. On peut créer toujours ses ennemis en cliquant sur définir maximum et puis mettre un nombre de points de vie. Alors va bien falloir réfléchir pour ça parce que va pas falloir se retrouver à un moment du jeu où le point de vie maximum de l'ennemi ne peut pas correspondre au niveau de son personnage. Si on vient tout juste de commencer le jeu et qu'on met déjà un ennemi qui a un point de vie très important, avec des attaques importantes, on est sûr de perdre systématiquement. Dans l'onglet groupe, on trouve les paramètres des combats entre les héros ou le héros et les ennemis. On peut modifier à notre convenance les fonds de combat, les effets aux attaques, la disposition des combattants. Donc en fait, quand on rajoute des ennemis, on peut ici les déplacer pour les mettre plus à gauche, au centre ou à droite, hein. Voilà, il suffit de les prendre et de les déplacer, hein. Avec l'action ici, la commande tester, on peut vérifier si le combat convient. Il doit donc, ce que je disais tout à l'heure, ni être trop simple, ni impossible. Il faut prendre en compte le niveau du héros quand il rencontrera ce type d'ennemi. Bah oui, parce qu'en début de jeu, les héros est bien souvent au niveau 1 avec des armes et des armures peu efficaces. Hein, donc il ne faut pas mettre des combattants trop difficiles à battre. Tout au long du jeu, le héros va augmenter son niveau et accéder à plus de points de vie et des armes plus efficaces. Les ennemis qu'on va rencontrer donc doivent être à la hauteur du niveau de notre héros. Dans l'onglet statut, ce sont les états des personnages lors d'un combat. Donc il est mort, il est empoisonné, il devient aveugle, muet, confus, etc.
Donc lors d'un combat, notre héros peut se retrouver aveugle pour un temps donné. Il y aura un message qui va s'afficher lors du combat et il sera appliqué une restriction. Donc par exemple là dans le statut mort, c'est clair, hein, l'héros a perdu le combat et le jeu doit reprendre à la dernière sauvegarde. D'autres statuts peuvent seulement l'immobiliser sur un ou plusieurs tours où il ne pourra pas attaquer l'ennemi. Hein. Parce qu'en fait, les combats dans le RPG se font tour par tour. Un coup, c'est notre héros, hein, qui va faire une attaque et après, c'est l'ennemi. Hein. L'onglet animation, ici on retrouve les animations qui sont mises par défaut dans le logiciel qui donnent différents effets. Cela rend le jeu plus attractif. Des animations peuvent être appliquées pour des combats, mais pas seulement en fait. On peut en appliquer pour d'autres choses. On peut ajouter une animation quand notre personnage trouve un objet, monte de niveau, monte son expérience, etc. Donc l'onglet typeset, on l'a déjà vu dans un autre tutoriel. On avait vu que le logiciel propose quatre types, hein, terrain pour créer des cartes du monde, extérieur pour les villes et les villages, intérieur pour créer des intérieurs de maisons, auberges, restaurants et donjons, qui sont des endroits fermés comme une grotte ou une tour de château où se situent en général les plus importants combats. Il est possible d'importer ses propres tilesets, comme on l'a déjà vu précédemment, en les téléchargeant sur Internet. Donc je ne vais pas aller plus loin puisqu'on l'a déjà fait. L'onglet événements communs. Alors ici, on peut programmer des événements qui pourront être utilisés dans différentes cartes du jeu. Cela permet d'éviter de répéter des événements. Donc en fait, les événements, c'est ce qu'on va programmer. Par exemple, si dans différentes cartes, on met des pommiers et que notre personnage a 25% de chance d'en obtenir une quand il souhaite en ramasser, on va créer une programmation à cet endroit et à chaque pommier de toutes les cartes qu'on va rechercher, l'événement va s'appeler pommier et avoir exactement les mêmes effets. Dans l'onglet Système, à cet endroit, on paramètre les grandes lignes du jeu. Donc ici où on voit notre héros Eric, c'est ici qu'on va former l'équipe du ou des héros que l'on trouve dès le départ du jeu. Donc par défaut, il y a Eric, mais on peut changer et mettre un autre et on peut même en mettre plusieurs. Ici, on retrouve notre titre du jeu. Donc je vous avais dit qu'il était possible de le modifier et ça sera à cet endroit. Ici, c'est la monnaie qui va être utilisée. Donc à vous de renommer la monnaie que vous voulez utiliser dans votre jeu. À l'endroit musique, en fait, on va pouvoir modifier la musique de l'écran titre, des combats, la musique qui va se jouer en cas de victoire, en cas de fin de partie, quand on a perdu, etc. Les effets sonores ici, pareil, donc c'est des effets qu'on peut modifier, donc le bruit que va faire par exemple notre curseur quand on va l'utiliser, quand on va fuir un combat, parce qu'il est possible de fuir un combat, quand il y a une guérison, quand on va rater un coup d'attaque, etc., etc. Ici, dans position de départ, c'est l'endroit où va démarrer son jeu. Donc on va chercher la carte où l'on va démarrer son jeu et placer son héros. Ici, l'apparence de l'écran titre, donc on peut modifier aussi quand on démarre son jeu. Et c'est pareil, hein, on peut en importer, on peut importer les siens et en fait modifier ça. Donc ça, c'est quand on démarre une partie. Et en haut, il y a des options telles que le héros transparent qui peut être intéressant quand on crée une cinématique. D'ailleurs, on le verra dans un tutoriel par la suite. Donc, je vais cliquer sur OK pour valider et on termine cette vidéo là-dessus. Et cette fois-ci, je vous promets, le prochain tutoriel va être de la programmation. À bientôt!